Bonjour, salut les petits loups, bonjour mes chers signes de Lion. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo concernant la guidance pour les signes astrologiques, donc le taroscope pour les mois d'août 2019. Vous pouvez bien sûr utiliser cette guidance hein, s'il s'agit aussi de votre signe ascendant et lunaire pour obtenir des compléments d'information, tout simplement. Je vous en encourage vraiment à le faire, parce que vous pouvez recouper les informations et avoir des messages ainsi qui seront beaucoup plus précis pour vous et plus personnalisés aussi. Justement, hein, je précise que ce sont des tirages qui s'adressent à tout le monde, donc tout ne peut pas résonner pour vous. Maintenant, pour ceux qui le désirent, je propose aussi des consultations privées. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations pour me contacter directement sur mon site. Vous pourrez aussi y découvrir l'offre du moment. Enfin, pour cette guidance, j'ai décidé de mettre en place un jeu concours pour le mois d'août 2019. Donc, je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. J'ai posté une vidéo il y a quelques jours maintenant pour voir un petit peu le principe, comment ça marche et ce qu'il y a à gagner pour vous si vous voulez participer, bien sûr. Alors, bah, je vous propose qu'on commence tout de suite par votre tirage. Donc, la carte ici au centre va nous parler de vous, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le moi, la carte qui vous représente. Alors, on a le chiffre 7, Peter Pan. Alors, c'est déjà une très belle énergie, hein, une énergie où on sent que vous êtes guidé vers la réussite. Enfin, c'est vous-même, hein? C'est vous-même qui êtes aux commandes, en fait. Avec cette carte, il y a vraiment la volonté pour vous de vous accomplir, de vous réaliser à tous les niveaux, mais moi j'entends surtout dans la matière concrètement. Donc ça peut être par rapport au professionnel, notamment au professionnel, ou tout ce qui a trait de près ou de loin avec votre bien-être personnel. Donc pour certains, ça peut résonner par rapport au couple, la vie de famille, vous voyez. D'autres, ça sera plus le professionnel. En tout cas, le chiffre 7, et encore plus celui-ci, vu que c'est une arcane majeure, c'est la volonté de réussir, hein, de réussir, qu'on reconnaisse aussi tous vos efforts. C'est le fait de vous mettre en avant, que l'extérieur puisse voir les efforts que vous faites, la personne que vous êtes, et attirer à vous de belles énergies. Donc vous êtes dans cette belle dynamique. La carte ici va compléter ce message puisqu'elle va nous donner les influences actuelles sur vous. Quelles sont les influences en début de mois pour vous? Alors, on a le chercheur des cœurs, autrement dit le cavalier de cœur. Donc là encore, hein, on retrouve un cavalier. Je dis là encore parce qu'en fait, dans cette carte, normalement, dans d'autres tarots, on voit un chariot tiré par deux chevaux hein, qui avancent. Et donc là, bien sûr, c'est un autre tarot, donc on ne retrouve pas cette image, mais en fait, on vient vous confirmer ici hein, que vous allez aller à la conquête, comme ce chevalier, hein, à la conquête de tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc comme je vous dis, pour certains, c'est un projet professionnel, pour d'autres, c'est tout simplement à la conquête de l'amour, hein, puisqu'on le voit, ce personnage a mis sur cette lance, en fait, il y a son cœur, hein, il a déposé son cœur, donc c'est vous ouvrir aussi, vous ouvrir aux autres. Donc, pour moi, ouais, je sens vraiment une sorte d'ouverture aussi de votre côté, même si on voit ce personnage qui porte encore une armure, donc peut-être que vous vous protégez ou vous vous protégiez avant, mais malgré tout, le cœur, il est sorti, hein, il est à découvert.
Donc pas totalement, parce qu'il y a encore une certaine armure. Donc ça va symboliser tout simplement le fait que peut-être vous vous protégez, ou alors que vous allez à la conquête, par exemple pour le relationnel, hein, à la conquête, donc pour essayer de trouver la personne qui vous correspond, ou tout simplement communiquer un peu plus avec votre autre si vous êtes en couple. Mais c'est quand même une énergie de conquête, hein. Vous allez de l'avant, vous foncez quoi, vous foncez. Je sens en fait un côté aussi pour vous ce mois-ci un peu rêveur, un peu idéaliste. Alors c'est pas forcément négatif, hein. Au contraire, c'est bien d'apporter un petit peu de ce côté, vous voyez, moi j'ai l'impression, ce côté enfant intérieur, hein, qui refait surface pour vous. Puisque avec Peter Pan, c'est bien ça, c'est aussi le monde de l'enfance, de l'insouciance, où on imagine que tout est possible. Donc pour vous, il y a vraiment ce côté, voilà, j'ai confiance en moi, j'avance et... Ouais, je fonce quoi, je fonce vers mes rêves, vers mes objectifs. Je sais ce que je veux, hein, voilà. Je sais ce que je veux et je vais tout faire pour trouver ce qui me manque aujourd'hui, le chercheur des cœurs. Alors, on va découvrir un petit peu les énergies ici passées. Donc le passé, c'est ce que vous avez traversé certainement dans le passé récent, donc peut-être le mois dernier, le mois de juillet. Pour certains, ça pourrait être aussi des énergies qui remontent un peu plus loin, c'est-à-dire des choses que vous avez traversées dernièrement, qui vous ont affecté dans le passé. Alors, on a le guide de cristaux ici qui est représenté par le Père Noël. Alors le guide de cristaux, c'est tout simplement l'équivalent de la reine de deniers. Donc on sent avec cette carte que vous avez remis les choses en ordre. Pour moi, vous avez pris soin de vous, pris soin des autres aussi, mais surtout ce qui concerne, donc comme les deniers ce sont des énergies matérielles, il va s'agir ici de remettre les choses en ordre, vous voyez, dans votre quotidien, peut-être dans votre foyer aussi, très certainement. Cette carte, elle représente aussi le sens des affaires, hein. Avoir une très bonne gestion, une très bonne, un sens aiguisé, tout simplement. Pour le commerce ou pour les affaires, et aussi pour tout ce qui concerne la gestion du foyer, hein, du quotidien. Donc, si cette carte arrive dans le passé, pour moi, c'est que justement, vous avez réussi à ramener un peu de maîtrise, un peu de contrôle par rapport à tous ces aspects-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous vous retrouvez dans une autre dynamique, où maintenant que les choses sont fixées, vous avez peut-être plus de temps pour vous, pour maintenant mettre des actions en place, mais concernant vos réels objectifs, hein, ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie, ce que vous voulez voir se concrétiser. Alors, on va justement regarder la suite ici, qui va correspondre à votre objectif conscient, votre désir conscient pour ce mois d'août. On a le 7 de cristaux. Donc ça va bien confirmer ça. Ça va confirmer tout simplement que là, vous avez un souhait profond que vous voulez réaliser. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, puisque on a retrouvé là une énergie de l'eau, des émotions, donc des cœurs, et ici on retrouve des énergies plutôt de la matière, du concret, avec les cristaux. En tout cas, cette carte nous parle d'un souhait que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais en même temps, cette carte va arriver comme un rappel en vous disant, quelque part, elle va temporiser. Vous voyez, c'était le 7 ici, et ici on est sur le 7 de cristaux.
cette énergie-là que je ressens est rapide. Hein. Vous êtes vraiment poussé comme Peter Pan, toute voile dehors. On fonce, quoi. On fonce, on est déterminé et on veut se rapprocher de nos rêves, de nos rêves d'enfant, de cette petite voix intérieure qui vous pousse. Mais avec ce set de cristaux, peut-être aussi vous avez certainement la maturité. Cette carte va nous parler aussi de ça, de la maturité, pour comprendre que, bon, vous savez où vous voulez aller, mais ça peut prendre un certain temps. Hein, ça peut prendre un certain temps, donc c'est une épreuve de patience. Le set de cristaux, c'est le fait de faire preuve de patience, que les choses mûrissent tout doucement, et on sait que ça demande du travail, ça demande de faire des efforts pour nous. Ça demande de travailler, comment dire, de nos propres efforts, en fait. C'est grâce à nous qu'on pourra arriver à réaliser notre souhait ou au succès que l'on désire, tout simplement. Le 7 étant aussi le chiffre de l'épanouissement, le chiffre de la réussite. On va voir ici quels sont les obstacles qui pourraient éventuellement arriver pour vous durant ce mois, les énergies, les défis aussi, hein, qui se présenteront à vous. Ok, on est sur le 3 d'épée. Donc avec cette carte, on sent que vous pourriez éventuellement vous faire un peu de soucis pour certaines choses, peut-être des petits imprévus aussi du quotidien. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas grand-chose. Donc en fait, on vous dit ici de ne pas trop vous attarder sur des détails ou sur des petits contretemps, des petits malentendus éventuellement aussi avec les autres. Notamment au niveau de la communication, parce que avec ce 3 d'épée, je sens que c'est au final, ce sont des choses qui ne sont pas forcément très importantes, hein, mais vous pourriez, comment dire, en fait, donner plus d'importance, voilà, c'est ça, donner plus d'importance à des petits soucis, à des questions, enfin, ou plutôt des choses qui arrivent ce mois-ci qui vous posent question, alors qu'en fait, tout simplement, il faudrait laisser aller. Parce que ce que j'entends avec cette carte, c'est que pour certains, il y a aussi peut-être une certaine anxiété, une certaine tristesse aussi, que vous avez du mal à quitter, hein, puisqu'on est sur les défis. Donc c'est vraiment pour vous dire, c'est l'heure maintenant, c'est l'heure de passer à autre chose éventuellement aussi. En tout cas, de laisser la peine de côté, la peine. Donc essayez de toujours être dans un esprit positif et surtout ne pas vous apesantir. Oui, on va dire ça. En tout cas, ne pas s'attarder, ça sera plus français peut-être, ne pas vous attarder sur, voilà, des petits problèmes, des petits obstacles, en fait, tout simplement, qui viennent freiner. Parce que là, on voit, comme je vous ai dit, hein, avec ces deux cartes en plus, sont vraiment un mouvement rapide. L'énergie du 7, Peter Pan, et l'énergie du chercheur de cœur, ce sont des énergies rapides. Donc vous êtes dans cette belle dynamique et il ne faut pas que les événements autour de vous, dans l'environnement, vous démotivent en fait ou vous démoralisent, puisqu'on est sur une énergie des épées. Donc les épées, c'est aussi le domaine du mental, de la psychologie. Donc je vois cette colombe, ouais, cette colombe qu'on retrouve aussi ici. Donc, vous dire d'y aller en paix, hein, d'être en paix avec vous-même. Relativiser, voilà ce que j'entends. Ça sera important pour vous de relativiser, de rester dans cette détermination que vous avez. Voyons voir maintenant. L'avenir à court terme pour vous concrètement, qu'est-ce que vous allez traverser
prochainement durant ce mois d'août. On a encore une énergie de terre, le 8 de cristaux. Alors c'est marrant parce que là on a beaucoup d'énergie, des deniers, des cristaux, de la terre donc. Et cette carte vient juste après celle-ci. Donc pour moi, comme je l'ai dit, vous avez un objectif. Il y a quelque chose de très important, puisqu'on était avec le chercheur d'équerre, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser ou que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Mais vous savez aussi que ça nécessite de la patience et des efforts. Et la bonne nouvelle ici, justement, c'est que là, vous voyez, on voit le même personnage en fait. On voit le même personnage qui ici était à l'intérieur en train de faire un souhait en fait. Hein. Enfin, moi je l'entends comme ça. Elle allume des bougies, elle fait un souhait. Et là en fait, maintenant, ça y est, elle est décidée de sortir dehors et de... Ben, déjà de profiter, hein, de profiter aussi, de s'amuser. Et en fait, cette carte du 8 de denier ou du 8 de cristaux, elle représente le travail. Donc c'est ce que je vous disais, vous savez, grâce à votre maturité, que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Vous pouvez réaliser votre plus grand souhait, mais que ça passera par le travail. Hein. Donc vous allez en fait vous mettre à la tâche concrètement. Voilà ce qu'on me dit, c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir. Vous allez mettre des petites actions en place, des petits efforts. En fait, vous allez faire appel à toute votre expérience, tout votre savoir-faire aussi, notamment s'il s'agit d'un projet professionnel. Vous allez mettre toutes ces compétences, toutes vos compétences à l'œuvre. Parce que maintenant, vous savez où vous voulez aller. Et je peux vous assurer que ça, c'est le principal, c'est la clé pour tout. C'est d'abord d'écouter son cœur. Et ce qui est bien, c'est que c'est ce que vous faites. Vous écoutez, vous suivez votre voix intérieure, votre enfant intérieur. Et la deuxième étape, c'est ensuite d'oser et de passer à l'action. Et la bonne nouvelle, c'est que ces énergies nous indiquent ça, que vous passez à l'action. Et vous n'avez pas peur hein, de passer à l'action, de travailler ardemment, de mettre tous ces efforts. Hein, parce que vous savez que c'est pour quelque chose qui va payer pour vous. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas ralentir par des imprévus, par des petits conflits éventuellement avec l'extérieur ou des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous ou qui vous expriment d'autres idées, hein, parce que le 3 d'épée, ça peut aussi représenter ça, hein, une confrontation d'idées, mais au final, on ne trouve pas vraiment de solution, vous voyez, puisque de toute façon, la solution, pour vous, les solutions, elles viennent de l'intérieur, ne l'oubliez pas. Alors, on va découvrir ici justement l'énergie intérieure qui vous pousse. Quelles seront les influences intérieures que vous allez vivre pendant tout ce mois? Qu'est-ce qui va vous guider? Quel sera votre état d'esprit, votre attitude? Puisque là, on est surtout sur le début de mois. Eh bien, on est sur le chercheur des cristaux. Donc, le cavalier de denier. Donc, on voit bien hein, ici, hein, avec ce lion, que vous avez confiance. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Je vois encore beaucoup d'oiseaux, là. D'oiseaux. D'ailleurs, on voit ce personnage, ce lion qui suit un petit oiseau, comme s'il lui montrait la voie. Donc, là, on en voit. Là, on voit un oiseau. Là aussi. Là aussi. Donc, pour moi, vous allez être guidé, hein. Et s'il y a autant d'oiseaux qui reviennent, tout simplement, c'est que pour certains, vous recevrez des signes, en fait, grâce aux oiseaux, grâce aux plumes, par exemple. Quelle que soit votre question, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez aussi le demander, en fait. Vous pouvez demander, tiens, aujourd'hui, voilà la question que j'ai, donc je vais vous donner un exemple bateau, mais est-ce que je suis sur le bon chemin dans le choix professionnel que j'ai entamé?
Est-ce que je suis sur le bon chemin? Faites qu'aujourd'hui, j'ai un signe avec les oiseaux. Et tout simplement, attendez la journée, soyez attentif à ce qui se passe autour de vous, mais ne soyez pas tout le temps en train de regarder, ah tiens, est-ce que je vois un oiseau? Ah là, ça veut dire ça. Normalement, ça vient naturellement, en fait. Voilà. Soyez juste attentif et gardez en tête que vous avez fait cette demande à l'univers ou à vos guides et vous recevrez des signes. Je peux vous l'assurer. Donc pour moi, vous pouvez recevoir des signes grâce aux oiseaux, d'une manière générale. Donc aux plumes aussi, ou dans une phrase, hein, s'il y a des mots en rapport aux oiseaux qui reviennent. Bon, je ne vais pas faire trop long parce que c'est pas le sujet de la vidéo de parler des signes, mais là, ça me vient comme ça. En tout cas, avec ce lion, je sens vraiment qu'il y a cette détermination qui vous pousse, hein. Détermination pour vous réaliser. Donc vous suivez votre chemin, vous avez confiance et vous savez, vous voyez, que ça vous mènera à la réussite. Cette carte, pour moi, elle représente la conquête aussi, encore une fois, la conquête comme l'autre cavalier, la conquête de votre bien-être. Voyons voir maintenant les influences extérieures, pour le coup, c'est-à-dire vous. Ah, on a aussi. Ok, je vais commencer par ça. Alors, on a une petite lettre pour vous concernant le jeu concours. C'est le H. Voilà, jeu concours, donc vous pouvez découvrir la vidéo pour voir de quoi il s'agit et participer si vous le souhaitez. Alors, je disais, ici, ce sont les influences extérieures, éventuellement des événements ou des aides qui peuvent arriver de l'extérieur, ou aussi tout simplement vous, votre relation avec l'environnement extérieur et les autres. Ah, bah décidément, on a encore beaucoup d'énergie des cristaux, la gardienne des cristaux. Alors, c'est une très belle carte. Au final, c'est le roi de deniers ici. Ils ont inversé. Ici, on a un personnage masculin et ici, un personnage féminin. Mais normalement, c'est l'inverse. Donc, le roi de cristaux, la gardienne des cristaux ici. Alors, deux choses. En fait, vous voyez, je sens que vous allez, encore une fois, prendre soin des autres, prendre soin de votre famille. C'est une énergie, là, au final, très, très maternelle, hein, qu'on peut ressentir, une énergie de bienveillance. Vous serez de bons conseils aussi. Cette carte, c'est ce qu'elle représente, le fait d'être de bons conseils. Et vous voyez, vraiment, on a beaucoup d'énergie. Je sens que vous savez de quoi vous parlez. Vous voyez, déjà au passé, vous aviez évolué. Il y avait là donc le guide des cristaux et ici on passe sur un niveau au-dessus en plus, la gardienne des cristaux. Donc c'est le plus haut niveau si vous voulez dans les cartes des cristaux. C'est vraiment la maîtrise complète. Et comme vous vous sentez bien dans ce que vous faites, dans la gestion aussi des affaires, dans la gestion du quotidien, vous allez être... comment dire, amener à le partager, partager votre expérience, partager vos compétences avec les autres. Cette carte pourra, vu qu'elle est dans les événements extérieurs, elle peut aussi bien sûr représenter quelqu'un qui va jouer ce rôle pour vous. Dans ce cas-là, il s'agira d'une personne en particulier, notamment une femme. Une femme qui sera... de bons conseils pour vous, qui vous aidera dans la gestion de vos affaires ou dans la gestion du foyer, mais quelqu'un de très bienveillante. En fait, pour l'instant, ce qu'on ressent avec vous, c'est que je pense que dans votre situation, bon, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a quand même une sorte de stabilité, hein, parce qu'on a à la fois la reine de denier qui est ressortie, le roi de denier, on a beaucoup d'énergie du denier
représentés par les cristaux qui sont ressortis pour vous. Donc ça indique quand même un certain ancrage, une certaine stabilité dans votre situation. On est sur des choses très concrètes. Donc, vous... Peut-être que vous voulez plus, tout simplement, et vous avez raison, hein, on va pas s'arrêter, on va pas se contenter, enfin pardon, si, on pourrait se contenter de ce qu'on a, mais tout simplement, pour moi c'est faire fructifier, en fait, c'est un mois où vous faites fructifier tout ce que vous avez déjà construit, en fait, le faire évoluer, il y a une vraie progression que je ressens. Que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine des finances, ou même que ce soit dans le domaine relationnel, amoureux, hein, puisque ce sont des énergies, donc, et comme ce sont des énergies ici, pour un tirage général, ça s'applique à tous les niveaux. Maintenant, ça parle surtout du foyer, en fait, hein, du foyer, de la famille. En tout cas, de très bons échanges avec les autres. Soit vous qui donnez en fait, vous qui donnez beaucoup aux autres, vous voyez, ou les autres, notamment une personne qui sera très présente pour vous. Comme là j'y vois la terre-mère en fait, hein, donc on vous apporte ce dont vous avez besoin, besoin concrètement. Alors, voyons voir le conseil pour vous. Quel est le conseil de vos guides pour vous aider à traverser ce mois? Alors, on retrouve la Belle au bois dormant, le numéro 13. Alors, c'est intéressant parce que c'est, comment dire, c'est un peu inattendu en fait. C'est un peu inattendu comme conseil puisque cette carte va vous dire d'effectuer un changement important. Il est conseillé de peut-être prendre une direction différente. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Pour certains, c'est de vous réveiller aussi par rapport à certaines illusions peut-être que vous pouviez avoir concernant des projets ou concernant des personnes. Mais il est question de ça ici. Il est question de se réveiller et surtout d'effectuer un changement important. Un changement important et radical. Hein. Alors vraiment, il n'y a que vous qui pourrez savoir pourquoi on vous envoie ce message et à quoi ça correspond. Mais on voit bien en plus que c'est un message hein, qui vient du haut, qui vient de, qui vient des guides en fait. Hein. Parce qu'ils veulent votre épanouissement, tout comme vous. Tout comme vous. Mais ça nécessite aussi pour vous, apparemment, de peut-être de faire certains choix, de prendre des décisions, de couper aussi, surtout, avec certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et dont vous avez conscience, en fait. Dont vous avez conscience qu'ils ne sont pas bonnes. Et ici, c'est un éveil pour moi. En fait, c'est ce que je ressens, c'est un éveil de la conscience. Donc on vous demande de vous réveiller ou de vous éveiller sur certaines choses que vous aviez mis en sommeil, peut-être en vous, qui sont en sommeil, que vous ne voulez pas voir ou ne pas vous avouer. C'est une transformation, hein. C'est une transformation importante qui est conseillée ici. Bon, vous me direz en commentaire éventuellement comment cette carte a résonné particulièrement pour vous, parce que c'est intéressant, honnêtement c'est intéressant, puisque dans le tirage avant, ce n'était pas vraiment ressorti. Le lien quand même que je pourrais faire, c'est avec cette carte, vous voyez, dans les obstacles et dans les défis, je vous ai dit que le 3 d'épée, ça concerne aussi certaines blessures, en fait. Ça peut représenter des blessures qu'on a en nous, qu'on garde en nous, et on vous dit, il est temps de vous en libérer, pour avancer, justement, pour ne pas être freiné dans votre détermination, ne pas revenir sur d'anciens schémas. Donc, ça peut être un rappel
de ça, de ne pas être centré sur le négatif ou sur des choses qui vous ont mis à terre en fait. Voilà ce qu'on pourrait en dire. Des choses qui vous ont mis à terre, il est temps de tourner une page et de ne pas ressasser tout ça. De ne pas rester, vous voyez, comme figé éternellement dans ces énergies. C'est important pour vous de vraiment vous centrer sur votre épanouissement personnel. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui peut vous apporter du plaisir? Hein? Puisque avec toutes les énergies des cristaux, on est sur le concret, sur la matière, donc sur ce qu'on expérimente dans cette vie. Donc c'est important d'éprouver le plus de plaisir possible, d'apprécier l'expérience qu'on est en train de vivre. Ok. Et la dernière carte ici va nous montrer les énergies avec lesquelles vous allez à peu près quitter le mois, ce que vous allez traverser en fin de mois, et ce qui va vous guider aussi par la suite, durant les semaines à venir, voire même les mois à venir. D'accord, on est sur le chercheur des épées, donc le cavalier d'épée. Bon, là, c'est intéressant parce que, justement, on voit qu'il y a deux directions possibles. Donc, apparemment, vous serez amené à faire des choix, hein, à faire des choix vraiment importants sur votre chemin de vie, ou en tout cas pour votre épanouissement, des choix importants. Donc, ça sera important, justement, de prendre le temps. De prendre le temps pour moi de faire ces choix en toute conscience, hein, en ayant tous les éléments en main. Donc, de voir toute la, comment dire, tous les aspects en fait qui jouent dans votre situation pour vraiment ensuite prendre la bonne décision. Et avec ce cavalier d'épée, donc il y a cette notion de choix, et ensuite une fois que vous avez fait le choix, il faut foncer, hein. On est encore avec un cavalier, donc vous voyez, il y a quand même du mouvement assez important qui arrive pour vous, des énergies rapides, et on vous dit de foncer. Donc prenez une décision, il est temps peut-être d'arrêter. De se poser trop de questions et là, c'est le moment d'y aller. En tout cas, vous serez prêt en fait. Ce que je sens avec cette carte, c'est qu'à la fin du mois, vous serez prêt à faire un choix. À faire un choix sur la direction que vous voulez prendre. Ou la direction que vous voulez que votre vie prenne. Mais n'oubliez pas que c'est vous. Hein, c'est vraiment vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui êtes au gouvernail de ce navire. Donc servez-vous de toute votre expérience, de votre maturité, je sens, pour traverser ce mois avec la sérénité nécessaire et surtout restez focalisé sur vos objectifs avec détermination et courage. Voilà mes amis, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et me laisser un petit commentaire. Ça me fait très plaisir, je les lis tous pour m'expliquer comment ça a résonné pour vous et me partager vos ressentis ou votre expérience de vie tout simplement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.